Salut à tous, c'est Chekwa. On se retrouve pour une vidéo consacrée à EA Sports UFC 2 Practice Mode. On m'a demandé sur YouTube de faire un combat entre, que je dise pas de bêtises, Hendrix et Thompson, quelque chose comme ça, je sais plus. Je sais plus si c'est Thompson ou Johnson, non, Thompson, en tout cas c'est pas Nelson. Hop, donc on va chercher, c'est pas Robertson, il y a beaucoup de trucs qui se terminent en son. Hop. Désolé pour les ronflements, c'est mon chien. Donc Stephen Thompson, je pense. Ouais. Et hop, moi je vais prendre Hendrix. Hop. Alors par contre, je trouve ça un peu con pour certains personnages, parce que moi il y en a certains que je connais pas, comme lui par exemple. Je trouve ça con, c'est qu'apparemment on n'a pas accès à sa spécialité. On peut pas savoir ce qu'il pratique comme sport. Par exemple, on sait qu'Hendrix c'est un bon lutteur. Donc, si on fait statistique, Bing Ring, Général Info, ouais, on voit pas sa spécialité en fait. Bon, peut-être en regardant les attributs, voilà, on peut se faire une petite idée, mais c'est pas ouf quoi. On voit qu'il a un bon ground and pound, machin. Ok, VN. Ouais, voilà, c'est dommage. Bon, moi je vais prendre Hendrix. Toujours en blanc parce que j'aime les shorts blancs. Et Worldwide Universal Boom. Et voilà. Et c'est parti. Voilà, j'ai d'autres vidéos encore également que je vais poster dans la journée. Celle-ci, je vais essayer de la balancer ce matin. J'en ai d'autres. On m'avait demandé avec. Oui, non, c'est vrai. Enfin bref, on en parlera après. Et il a feinté, mais je sais pas comment on fait. Et il est nerveux, il est nerveux. Eh ben, ça c'est un kickboxer, je pense. Mais il est nerveux ou quoi là? Ah bah voilà, c'est réglé. Putain, ça a été assez rapide en fin de compte. Mais l'autre s'est vachement excité aussi. Allez, on recommence. Ce vieux réflexe de vouloir checker dès le début. Alors qu'ils ne le font pas en practice mode. Ah bien, bien. Ah, il a failli me remettre au sol en plus. C'est juste que j'ai contré. Pas mal, pas mal. Par contre, j'ai pas contré. Allez, saute. Ah, il veut pas. Mais nos salles, mais il fait rien. Oh, le coup de genou qui passe bien. Ces coups de pied font très mal par contre. Moi, mon but du coup, c'est de casser la distance. Parce que j'ai beaucoup moins d'allonge. Ou d'aller au sol.
Wow. Aïe, aïe, aïe. Wow. Je vais juste me protéger en haut, tant pis pour le bas. Je termine toujours de la même manière, en même temps avec le grand endpoint qu'il a, c'est normal, mais bon, allez, on en refait un. C'était serré, mais... Du coup, j'aime pas gagner toujours de la même manière, c'est un peu délicat. Vache, il mixe, hein. Il mixe bien, c'est cool. Du coup, j'ai tendance à me dire, allez, je me protège qu'au visage, puis écoute, ça va être de ouf. Puis au final, il m'attaque aux jambes, au corps, enfin, et après, hop, au visage. C'est dur, hein. Même en cassant la distance, il est là, le gars, quoi, il est là. Ah putain, non! J'avoue, je me suis un petit peu enflammé. Allez, on tente une soumission. Dommage. Je la retente. Hein. Ouais, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, je voulais pas me relever, moi. Joli enchaînement, mais ça n'a pas suffi. Overhand, j'aimerais bien terminer juste sur un overhand. Pas grand endpoint, vraiment overhand qui met KO, mais. Du coup, il est un peu plus. Fait un peu plus attention à ses mouvements. Oh, une fille à poil. Il fait un peu plus attention à ses mouvements, mais. Non, c'est là, il a repris la confiance. Il m'a vu venir. Joli, putain, ça c'est du grand game les mecs, putain. Moi je suis quoi en cette position? Oh la vache, il me viole. J'ai essayé de passer mon coup de savate, mais c'est pas passé. Remets-toi dans la bonne posture, putain de merde. Ouais, là, je n'ai aucun qui passe. Oh putain, ce viol.
fait mal, hein. Franchement, il fait mal. Wow! Wow, wow, wow! J'ai été mauvais là. On va tenter la guillotine. Je me demande vraiment comment est-ce qu'on va se terminer. Ça pique. J'essaie de reculer pour boire mon café. Parce que si je mets pause, ça restart le combat direct. Ah, c'est bon. C'est bon, là, il est essoufflé. Ah, le salaud directement. Tente la guillotine. Le salaud. Pas de soumission. Y a pas de coup là? C'est nul. Oh la vache, au sol, il est juste ouf le gars quoi. Ah oh, le jeu au sol, franchement, je trouve trop impressionnant quoi. On se relève et on retourne au sol. Que j'apprenne à contrer. Hein. Là, c'est moi qui ai merdé en plus. Wow! Il fait trop mal. Ils sont où? Ça c'était un peu bidon, il va falloir qu'il corrige. Ah le short, ah, il s'est endormi. Et ouais. Ah c'était un petit peu bidon cet angle de caméra. Ah puis il glisse carrément. Ouais bon, mais bon, c'est une bêta, c'est une bêta. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle dure déjà assez longtemps comme ça. De toute façon, j'en ai d'autres à poster aujourd'hui. Donc voilà, passez une très bonne journée. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me dire quel combat vous souhaitez voir. Allez, bonne journée.